entend que Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam, les citrouilles explosées, jettent l'éponge. Bill Corgan, la tête pensante du groupe de Chicago, fait le bilan. On entre dans une ère plus psychologique du rock'n'roll. La décadence d'hier, aussi intéressante soit-elle, n'a pas donné les résultats espérés. Le rock est cannibale, il est agité comme un adolescent à l'arrière d'une voiture qui ne pense qu'à une chose, baiser, et tout de suite. Il y a un cercle vicieux dans le rock'n'roll. Quand tu commences à jouer, tu veux tout massacrer. Et dès que tu as l'impression que tu y arrives, tu commences à créer pour de bon. Mais ce truc nouveau finit toujours par devenir la norme. Alors d'autres déboulent et ils essaient de t'éliminer.